Au Franprix de Cergy-le-Haut ce week-end, vous avez peut-être rencontré ces bénévoles à l'entrée du magasin. Comme dans 15 autres supermarchés, ils étaient là pour participer à l'opération Microdon, une action qui permet aux clients de donner 2 euros en scannant ce papier. Objectif, aider les associations caritatives valdoisiennes, et ça marche plutôt bien. Lorsque des bénévoles, comme on les voit aujourd'hui, présentent leur projet aux clients à l'entrée du magasin, on peut espérer 10 à 20% des clients du magasin qui, au moment du passage en caisse, vont demander à faire un petit don. L'année dernière, l'opération avait permis aux 9 associations de récolter près de 10 000 euros. Face au succès de l'événement, 16 associations ont depuis rejoint ce projet, porté par le Conseil Général du Val d'Oise. Nous avons fait un appel à candidature, en quelque sorte, auprès des associations, afin que celles qui sont intéressées par cette opération se manifestent. Et ensuite, il faut évidemment trouver le commerce support. C'est le cas ici, on a une association cergissoise dans un commerce cergissois. Cela permet aussi aux membres de l'association d'être connus sur le territoire où ils exercent. Et ça leur permet aussi parfois de recruter des bénévoles supplémentaires. Donc c'est à tout point de vue gagnant. L'opération s'est déroulée sur 2 jours. Elle a permis de récolter des fonds en faveur des associations de lutte contre les maladies et les handicaps, de solidarité humanitaire et d'aide aux enfants défavorisés. C'est un mini-marathon qui mobilise tous les bénévoles. Cette année, ils espéraient récolter 20 000 euros.